Anelka sera bien là, vrai, le cousin de George Weah sera là et il y aura un autre Français. Ce sera Rémi Garde au milieu de terrain. Simon, qui était incertain, le gardien de but international du Football Club d'Arsenal, sera là, bien présent lui aussi. Du côté de Lens, eh bien, on bénéficie de l'entrée de Lachor. Et si Dalmat n'est pas là, eh bien, Smisser, le Tchèque, a été titularisé d'entrée avec une équipe relativement offensive. Car vous le savez bien, aujourd'hui, c'est défaite interdite pour le Racing Club de Lens. Mais comme c'est défaite interdite aussi pour le Football Club d'Arsenal, bien, nul doute qu'on va assister à un grand et bon match de football sous la direction d'un trio arbitral venu de Suède. Oui, avec M. Anders Frisk, arbitre central, qui sera assisté de messieurs Leif Lindberg et Mikael Hansson, trois arbitres effectivement suédois. Et nous saluons également Pierre Perronnet, qui est notre camarade et qui se trouve donc au ras du sol, tout près de la traditionnelle et magnifique pelouse de Wembley. Coup d'envoi donné par les Lensois. C'est déjà bien. Alors, qui a la descente du ballon? Nicolas Nelka. Ou Lachor. Petite bousculade. Ray qui remet pour Nelka. Ouais, oh, bon. Il est bien passé devant. Sikora, heureusement, ce sera le premier bon corner. Bon tiroir de... Ils ont fermé la porte, les Lensois. Smisser. Allez, un bon ballon de contre, Tony Vérel avec Nouma à sa gauche. Du calme, Tony. Du calme. Il s'est un petit peu précipité dans cette passe-là. Et encore récupération de Roll qui fait un excellent début de match. Quel début de match. Vérel. Et on prend des risques là, attention. Tony Adams. Allez, venir devant le but. Simon, c'est une bonne frappe. Oui. C'était bien joué. Avec au départ, Meuse. Deuxième chance, oui. C'est mieux. Ouh. Ah oui, beaucoup de tête de l'Oba, il n'a pas trouvé le cadre. Non, parce qu'il avait. Ils se sont regardés, les défenseurs. Cherche Ray. Ouh, le ballon est passé. Attention, Overmars. Non, ce sera pour Varmus, heureusement. Il y avait la menace à Nelka. Pas de faute, Cyril Roll. Entre en retrait. Hughes. Ah, c'est le gaucher, il se remet sur son pied gauche. Sur son pied droit, il a réussi. Il va pouvoir centrer, attention, danger. Oh, oh, superbe Varmus. Au premier magnifique poteau. Magnifique Varmus. Au premier poteau. Bon, il faut bouger, les Lensois, faut bouger. Allez. Nouma. Allez. Belle frappe et superbe arrêt de Simon. Oui, celle-là était bien frappée. Le ballon était en train de rebondir sur cette mise en position de tir. Mais ça fait deux fois que David Simon, on dirait, il est là pour aïe, ça. Aïe, Thierry. Attention à Nelka. Oh, bien joué. Superbe tacle de Varmus. Et on reverra que là-dessus, Guillaume Varmus s'est arrêté pour ne pas se laisser emporter par l'élan. Là, il y a hors-jeu. Ah, de peu, mais il y a hors-jeu. Allez, d'un but à l'autre. Pascal Nouma. Bon retour de Tony Vérel. Toujours aussi courageux, toujours aussi généreux. Allez, Vladi. Allez. Bien joué. De Bev, allez. Aïe, Mickaël. C'est dommage. Oh, quel bon ballon, là, pour les Lensois. Et s'ils avaient joué comme ça à Athènes, sûr qu'ils n'auraient pas eu le regret de repartir battu de la capitale hellénique. Vérel. Smisser. Et là, oui, il est passé. Il a manqué son contrôle. Comme il dirait quelqu'un que je connais bien qui portait le numéro 10 de l'équipe de France. Sure. Il est pas en jeu. Allez, un bon coup. Smisser. Allez, Vladi. Smisser. Ah non. Sikora. Ça, c'est la C'est bien fait, Vérel. C'est la vieille garde d'Arsenal. Oui. Ça fait un moment qu'ils sont là. Oh oui. Ça, ils ont des heures de vol. De Bev qui peut centrer. Ah, il s'est jeté. Il a coupé la trajectoire du ballon, Tony Vérel. C'est sympa, c'est bien. Il y a un bon état d'esprit sur ce terrain. Vérel.
ça n'a pas pris. Mais le ballon est tout de suite récupéré par les Lensois. Spicer, bonne frappe, elle est dedans. Mais bien cadré, bon arrêt de Sivan. Deuxième très très bonne frappe. C'est terminé, Winterburn. Bon appui, bon appui. Overmars. Bonne couverture de balle d'Overmars. Pas de faute. Attention à l'accélération, attention à l'accélération. Attention à l'accélération. Oh, quel arrêt. Merci Varmuz. Quel arrêt de Varmuz. C'est raté, le centre derrière le but. Non, il même pas. Il n'est pas sorti là-bas. Il n'est pas sorti, il revient. Domev. Bould. Oh, il était encore passé. Winterburn, c'est pas fini. Sikora. Allez, il faut qu'il y en ait un qui frappe. Oh, oh, encore dans les bras de Sivan. Oh, quel match. Oh là 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 là. La tête de Bould, il a été un petit peu surpris. Smisser. Vérel. Il y a une petite... Éloi. Allez, c'est pas fini. On est dans les 16 mètres 50 là. Allez, Smisser. Ah, but. Et but de Debev. But de Debev. But de Michael Debev. Sur une frappe plus ou moins... Superbe. Mais ah, voilà. La réussite de Vladimir Smisser et Michael Debev au deuxième poteau pour couper la trajectoire du ballon. Vladimir Smisser récompensé d'un match exceptionnel qui marque un petit peu sa frappe. Il se sort du marquage. La frappe est sans doute trop croisée. Elle a décalé Winterburn. Attention, il y a du champ. Dans le dos, dans le dos, dans le dos. Oh, il y va. Il y va, Varmuz, il a pris un coup, non? Non. Un petit peu, un petit peu. Long ballon devant. La tête de Manier. Oh là là, le lob était trop petit. Réussite. Il fallait un peu de réussite. Oui. Il l'a eu, Guillaume. Le coup fort. Avec une petite altercation. Avec... oh là là, ça se chiffonne beaucoup. Du côté de Tony Vérel, là. Livingston, il nous l'a joué, là. Oui, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression. Alors que le match est terminé, 46 minutes et 10 secondes. Et oui, mais on jouera 3 minutes supplémentaires. Puisqu'il y a... Carton rouge pour Tony Vérel. Carton rouge pour Tony Vérel. Carton rouge aussi pour Tony Vérel. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de Lensois qui seront privés du dernier match. Vérel qui a eu un mauvais réflexe là. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu de la provocation. Winterburn. C'est fini. Oh, c'est fini. Il n'aura pas besoin de rentrer. Exploit Lensois ici à Wembley. Victoire 1-0. But marqué par Michael Debev à la 73e minute. Et on peut vous annoncer, Thierry, que le prochain match du Racing Club de Lens contre Kiel, c'est la finale du groupe et que la qualification pour le printemps se jouera ce jour-là. Et malheureusement, avec...